Salut, bébé. Ton état ne s'améliore pas. Ma température a baissé, mais j'ai le nez qui coule. Le nez qui coule? T'es sûre de ne pas vouloir que je reste? Non. Tout ira bien. Je ne veux pas te rendre malade. D'accord. À plus tard. Mon grand garçon. Prends bien soin de lui, hein? À plus tard, bébé. D'accord, bébé. Bye. Bye. Oui. Je suis déjà là. D'accord, je vous rejoins. Où étais-tu passé? Tu étais censé arriver hier. Mon vol a été annulé hier et il se faisait tard. Quoi? Rien. Pas de temps à perdre. Les clients s'impatientent. Oh oui. Gentlemen, je suis vraiment désolé pour mon retard. J'étais coincé dans les bouchons sur la route. Alors, où en sommes-nous? Ouais. Après la dernière réunion qu'on a eue avec vous, nous avons tenu une réunion avec le conseil. Et nous avons décidé que nous allons vous offrir 450 millions. Au lieu des 350 millions offerts plus tôt. Ce qui veut dire 100 millions de moins dans notre prix initial. Oui, mais nous avons changé notre prix de départ. Donc, vous pouvez également faire pareil. Disons 500 millions, au cas contraire, le marché ne tient pas. 500 millions? Oui. D'accord, nous allons vous donner 500 millions. D'accord, c'était un plaisir, n'est-ce pas? Non. Nous pouvons en tirer plus. La propriété va à 700 millions. Comment pouvez-vous quitter de 500 millions à 700 millions juste comme ça? Écoutez-moi, monsieur et madame, River Valley Estate n'est plus la seule propriété sur le marché. Nous vous donnerons 500 millions de naira et c'est tout. Au cas contraire, on s'en va. Bien. Qu'est-ce qui se passe, Tamara? Vendons la propriété à ce prix. Ça vaut le coup. D'accord. J'espère juste que vous serez en mesure d'expliquer à M. Ojike comment il a pu perdre cette propriété face à son rival, Alhaji Mustapha. Alhaji Mustapha nous a offert 600 millions. Alors, à moins que vous ne soyez en mesure de nous offrir plus, on signe avec lui. Viens, viens avec moi. Cette affaire est une bonne affaire et je crois que nous devons tenter le tout pour le tout. Alors nous miserons à 600 millions, ok? D'accord. 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 Affaire conclue. Nous vous offrons 600 millions. D'accord. Un plaisir de faire affaire avec vous. Merci. Les papiers seront prêts d'ici la fin de la semaine et vous les aurez. Je vous en prie. Alors, dis-moi, quand est-ce qu'Alhaji Mustapha t'a contacté à propos de la propriété? Il ne l'a pas fait. Bien joué. Bien joué. Peut-être que la prochaine fois, tu devrais avoir plus confiance en moi. Après toi. Merci.
arrête, arrête. Arrête, arrête. Oh. Tamara, arrête. Stop. Ah. Comment suis-je supposée tomber enceinte si tu ne me touches pas du tout? Tamara, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. C'est à cause d'elle. Qui? Jerry, ne me prends pas pour une idiote. Tamara, il n'y a personne d'autre à part toi. Oh, tu ne prends rien de moi. Alors c'est clair que tu vas voir ailleurs. Tamara, Tina Okocha, tu es celle que j'aime. Toi et toi seule. Donc non, il n'y a personne d'autre. J'ai pu sentir son parfum sur toi l'autre jour au bureau. Était-elle la raison pour laquelle ton vol a été annulé? Avais-tu vraiment voyagé? Jerry, pourquoi? Je compte aussi peu pour toi? Tamara, s'il te plaît, Tamara. Ah non, non, non. Tammy. Oh. Allons. Bonjour. Je t'ai fait un verre de lait. Vas-y, parle, je t'écoute. Tamara, je suis désolé. Je suis désolé. S'excuser, c'est bien. Mais tu sais ce qui serait mieux? Ah, je promets de faire mieux. Je le promets. Un comportement différent. Pas que tu t'excuses une énième fois. Excuse-moi. Yes, I'm working my way back to you. Yeah. Okay. Ce n'est pas notre anniversaire aujourd'hui, donc c'est en quel honneur? Oui, c'est pour m'excuser. Et je promets de changer totalement. Allez, viens. Allons. D'accord. Le repas est délicieux. Oui. Où l'as-tu commandé? Commandé? Qu'est-ce qui te fait croire que je ne l'ai pas fait moi-même? Jerry? Ouais, je l'ai commandé à un resto où je suis allé avec un client. Je savais que tu ne l'avais pas fait. Comment? Parce que si tu l'avais cuisiné, je serais en train de m'étouffer à cause du piment. Ok. Si tous nos moments pouvaient être comme ça. Oui. Je le veux aussi. En fait, je suis désolé. Je sais que je n'ai pas été le partenaire idéal que tu voulais.
Mais il y a une chose que tu dois savoir. Je ne prends pas ta loyauté pour acquis. Anno. Anno. Tu sais, je pense qu'on mérite des vacances. Allons, chérie, arrête de te moquer de moi. Non, chérie, on travaille dur. Alors, pour une fois, ne le penses-tu pas? Ce serait bien. Je ne me rappelle pas la dernière fois qu'on est vraiment allé en vacances. Je sais. Oui, je sais que j'ai été très injuste envers toi. Mais je te promets, dès maintenant, tout va changer. Tout. J'aimerais ça. Tu es très vilaine. Si je te dis que je le ferai pour toi, tu dois me croire. Oh, t'ai-je déjà menti? Non, je... T'inquiète, je te le ferai ce soir, sûr. Je te le promets. Vilaine fille, écoute, cette nuit, toi et moi, ça va chauffer ce soir. Quoi? Tu n'es pas sérieuse. Oh mon Dieu. D'accord, d'accord. Non, je suis très sérieux. Sérieux. Si je t'attrape. Ok. Salut bébé. Je suis en route pour l'aéroport. Tamara? Jerry. Oui. Quand tu iras lui faire passer du bon temps ce soir, assure-toi de ne pas revenir. Qu'est-ce que tu racontes? Tamara. Tu sais, je suis tout simplement fatiguée. Un instant, tout va bien, et l'instant d'après... Je n'en peux plus. Je suis... Je peux tout t'expliquer. Je... Je t'aime, Jerry. Mais j'ai assez d'estime pour moi pour savoir que je mérite mieux que ça. Du moment où tu vas traverser cette porte, fais-moi une faveur, ne reviens plus.
hard for me. I'm caught between the lines, searching for a way. Ma chérie, ça c'est exactement le genre de vie que je veux mener. Oui, cette histoire de toujours monter, descendre, chercher là où se poser, c'est trop stressant. Je veux pas vivre ça tous les jours. Je sais pas comment vous faites à Lagos. Tu le sauras très vite. Hein? Pardon, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas l'expérimenter. Bon, écoute, pourquoi est-ce que tu ne viens pas vivre ici avec moi? Au lieu de dépenser tout cet argent pour un nouveau logement. Oh ma chérie, l'hôpital pour lequel je bosse est loin d'ici. Et je ne peux pas, tenant compte de ton époux, pardon. Je ne veux pas de problème. En passant, où est Jerry, comment il va? Tu devrais le lui demander quand tu le verras. Tamara, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Jerry est parti. Au boulot? Chez une autre femme. Tu es sérieuse? Oui. Je ne savais pas, désolée. Comment tu te sens? Tamara. Papa, qui est Tamara et pourquoi ne prends-tu pas ses appels? Tamara est ma secrétaire au travail. Oui, ma secrétaire au bureau. Et pourquoi t'appelle-t-elle à une heure aussi tardive? JJ, à présent, va au lit. Mais maman, le film commence juste à devenir une chanson. Au lit, maintenant. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, JJ. Et la raison pour laquelle... elle m'appelle et que ton père est un homme très occupé. D'accord? Je t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Ce garçon m'impressionne à chaque instant. Vas-tu la rappeler? Non, je ne le ferai pas. Ma préoccupation ce week-end est toi et DJ. Quoi? Viens par ici. Viens là, bébé. Qu'est-ce que t'as? D'accord.
Mon amour? Oui. J'envisage chercher un boulot et commence un petit commerce. Pourquoi? Parce que je suis fatiguée de rester à la maison à ne rien foutre, à pas m'occuper du DJ. Et c'est si terrible pour toi, c'est ça? Mon amour, je suis très jeune pour ne rien faire de ma vie. Tu sais, je peux faire l'esthétique ou le service d'hôtellerie. Tu sais à quel point j'aime faire la cuisine. Mon cœur, je peux produire assez d'argent pour toi et Gigi. Je le sais. Je ne suis pas en train de parler d'argent. Je ne peux juste pas rester à la maison à ne rien faire tout le temps. Je suis fatiguée de ça. Écoute, je t'aime tellement. Je ne voudrais pas que tu te fatigues à chercher un emploi ou de l'argent. Tu me comprends? Avant de me rencontrer, je travaillais. Même si cela ne rapportait pas grand-chose. Mais je travaillais. On s'est entendu que je restais à la maison m'occuper des Gigi. Mais à présent, il a 6 ans. J'ai besoin de faire quelque chose. Je ne peux juste pas rester à la maison à ne rien faire. Voilà ce que j'essaie de dire. D'accord. Nous parlerons demain. Faut dormir. Non. Je veux qu'on en parle tout de suite. Kanu, s'il te plaît. Je veux me reposer. D'accord. Bonne nuit. Bébé. Bimbo. Tu sais, ton bonheur compte beaucoup pour moi. Je ne veux pas être celui-là qui te causera du chagrin ou autre chose, ou de la tristesse. Donc je t'assure, quand Didi sera à l'école demain, toi et moi passerons toute la journée à réfléchir dessus. Ça te plaît? Je sais ce que tu désires, bébé. Merci. Ok. Je vais t'attraper, petite coquine. T'as plus besoin de ça. Ouais. Vilaine fille, viens par là. Bébé. Bébé, réveille-toi. Bébé. Bébé, réveille-toi. Réveille-toi. Bébé. Jerry. Lève-toi. Jerry. Jerry. Oh, réveille-toi, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Jerry. 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 Jerry, qu'est-ce qui... Oh mon Dieu. Jerry, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Jerry. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jerry. Jerry, Jerry, réveille-toi, tu me fais peur. Jerry, Jerry.
Comment il va? Il a eu un arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque? Oui. Comment? Il était bien portant? Il faisait juste la sieste? Oui, ça peut être n'importe quoi, tu sais. Excitation. Je veux dire, a-t-il été soumis à une quelconque activité physique ces derniers temps? Non, rien. Rien dont je ne suis au courant. Ok, ne vous inquiétez pas, d'accord? Il ira bien. Votre époux est entre de bonnes mains. S'il vous plaît, excusez-moi. Réveille-toi, s'il te plaît. Maman? JJ. Oui. Où est papa? Je ne l'ai pas vu à mon réveil ce matin. Ton père a dû voyager. D'accord. Tu sais quand est-ce qu'il va rentrer? Bientôt. Oui, bientôt. Peux-tu l'appeler? Ok. Mais plus tard, car ton père est très occupé en ce moment. C'est ce que tu as dit la dernière fois et tu ne l'as même pas appelé. Didi, j'ai dit que je vais appeler ton père plus tard, mais pas maintenant. Laisse-moi. Je dois réfléchir. Je dois réfléchir. Bonjour, madame. Bonjour, madame. S'il vous plaît, puis-je voir Tamara? Tamara Boja. Oui, madame. Quel est votre nom? Je suis madame Adjiboye. Elle n'est pas là présentement, mais vous pouvez l'attendre. Allô? Docteur Bassi? Quand? D'accord, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Regardez où vous allez. J'arrive tout de suite. Qui est-elle? C'est quoi son problème? Elle a demandé à vous voir. Pourquoi? Elle n'a rien dit. Bien, madame Obocha, je suis désolé de vous avoir fait patienter. Madame Adjiboye, ça ira. Merci. Oh, je m'excuse. C'est pas grave. Alors, quel est le problème? Ah, bien, c'est votre époux. Il est entré dans le coma la nuit dernière. Quoi? Ouais. Mais réveillez-le alors. J'ai bien peur que ça ne marche ainsi. Vous avez dit qu'il est entre les bonnes mains. Et oui, je peux vous assurer qu'il a les meilleurs soins médicaux. Alors, que fait-on? Nous devons patienter jusqu'à ce qu'il sorte du coma. Pour combien de temps? Cela varie, vous savez, ça dépend. Ça peut être des semaines, voire des mois. Des mois? Hey. Cela peut être aussi moins. Parfois, un non docteur, j'ai vu ce genre de choses arriver. Je sais ce que vous pouvez ressentir. Ce n'est pas votre époux, vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens. Je comprends que vous êtes soumis à beaucoup de pression, mais je... S'il vous plaît, prenez le calmement, hein? Soyez calme. Docteur, c'est juste qu'il fut bien portant, il était bien portant. Mais que vais-je dire, Didier? La prochaine fois qu'il va demander où se trouve son père. Bien, nous ferons tout notre possible, tous nos efforts. Soyez forte. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Que puis-je faire pour vous? Votre pneu. Mon pneu? Oui.
Il est percé. Percé? Oh mon Dieu! Oh! Et je dois me rendre dans un endroit important. Oh non! Ali! Ali! Excusez-moi, madame, vous cherchez le garde de la sécurité? Oui! Il est sorti. Oh Seigneur! Où vais-je trouver un technicien assez tard? Je peux vous aider. Pour faire quoi? À le changer. Vous... En êtes-vous sûre? Oui. Je le peux. Juste ouvrez la malaria, je vais le changer. En êtes-vous sûre? Oui. Je peux le faire. Fini? Ah! Merci beaucoup. Pas de soucis, madame. Ah, quel est votre nom? Mon nom est Bimbo. Ah, merci beaucoup, Bimbo. Je suis Tamara Okocha. Alors dites-moi, de quoi voulez-vous me parler? Madame, il s'est fait tard. Je dois aller prendre mon fils à l'école. Ah, oui. D'accord. Je dois me mettre en route. C'est bon. Mais je peux t'y conduire? Non, allons, non, non, s'il ne vous dégagez pas. C'est la moindre des choses. Je vais emprunter une moto pour y aller. Alors oui. Que je propose de vous y conduire. Allons, j'insiste, s'il vous plaît. Mais je ne peux pas. Je peux prendre une moto. Non, pas de mais. Allez, monte. Je vais fermer ça. Attends, attendez, attendez. Alors, je pense que voici le bon moment pour que vous puissiez me parler. Je ne sais pas comment vous le dire, madame. Dites-le de la manière la plus simple. D'accord. Je suis venue dans votre entreprise pour faire des livraisons. Livraison? Livraison de quoi? La nourriture. La nourriture, ma. Nourriture? Oh. Alors, je me demandais si je pouvais fournir le petit déjeuner tous les jours dans votre entreprise, ah, madame. Mais tu aurais dû le dire plus tôt. Qui ne demande rien n'a rien. Je suis désolée, madame. Es-tu timide? Tu ne devrais jamais avoir peur de dire ce que tu as en tête. Merci, madame. Ok, maintenant assez de madame. Mon nom, c'est Tamara. Tu sais quoi? Apporte-moi un échantillon de tes repas demain. Et je... à mon bureau. Et ainsi, on pourra discuter des prix et des modalités. Madame, vous le pensez? Ça, c'est seulement si... la nourriture est bonne. Et là, je te donnerai le contrat. Merci beaucoup, madame. Ah, oh, Tamara. Pas de quoi. Tu sais, je pense que les femmes devraient se soutenir. On devrait s'entraider entre femmes. D'accord? Merci, ma. Elle sera bientôt à vous. Je suis vraiment désolée pour la dernière fois. C'est juste que je traverse des moments difficiles. Pas grave, vous pouvez y aller. Merci. Merci infiniment. Pas de quoi. Je dois avouer que c'est bon. Merci. C'est juste un aperçu. Je peux aussi proposer des plats traditionnels cet un jour. Je ne suis pas sûre de cette idée. Je ne voudrais pas que mes employés s'endorment au lieu de travailler. Donc, gardons le sandwich pour le moment. D'accord, pas de problème. C'est délicieux. Waouh, j'aime bien. Vous formez un très beau couple tous les deux. Oh. Oh. Chérie, c'est une très mauvaise idée. Mais pourquoi ne pas le lui dire? Loretta, je suis effrayée. Que
vais-je lui dire? Hein? Penses-tu que c'est aussi facile? Oh, le plan est que tu deviennes sa cuisinière, c'est ça? Non, ça arrivait comme ça. D'accord, écoute. Je me dis qu'en me rapprochant d'elle, je trouverai forcément moyen de lui dire. Ok, si tu le dis. Je suis sérieuse. Ou Jerry peut toujours se réveiller et la vie reprend son cours. Tu crois vraiment ça? Que quoi? Qu'un miracle va se produire et Jerry va simplement se réveiller? J'ai la foi, j'ai la foi. Ah, cela se produira. Tu t'en vas coucher avec le mari d'autrui et maintenant tu viens dire j'ai la foi, j'ai la foi. Je suis désolée, je voulais pas dire ça. Tout ce que j'essaye de dire, c'est que plus tu attends, plus il te sera difficile de lui dire. Et peut-être que je n'aurai pas besoin de lui dire. Oui, parce que Jerry va se rétablir. Et si ça n'arrivait pas? Loretta, pardon, s'il te plaît, ne m'infecte pas avec tes mauvaises ondes. C'est quoi ça? Chérie, Jerry est dans le coma. Il ne dort pas et il ne fait non plus la sieste. N'importe quoi peut arriver. Pense-y. Ah, j'ai vraiment aimé le sandwich. C'était très délicieux. Merci. Merci pour cette opportunité. Alors, combien est-ce que ça va nous coûter que tu nous livres des repas pour le prochain trimestre? Excusez-moi? Vous êtes sérieuse? Oui, je t'ai dit que si je trouve la nourriture bonne, le contrat est à toi. Oh, merci beaucoup, merci. Je suis désolée. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Pour rien. Je ne peux pas juste le faire. Mon capital est insignifiant. Je suis juste une petite commerçante. Bimbo, aucune entreprise ne démarre vraiment au top. D'accord? Que ton commerce soit petit ne signifie pas qu'il en sera toujours ainsi. Mais... pas de mais. J'insiste. Tu te cherches de la livraison pour le prochain trimestre, d'accord? Salut. Quelque chose de bien s'est produit aujourd'hui. Et j'ai voulu te faire ce message vocal pour te parler de ça, mais bon. Je viens juste de recevoir un mail qui dit qu'on a gagné le meilleur prix de l'agence immobilière de l'année. Aïe. L'événement, c'est la semaine prochaine et... je pense que ce sera bien pour nous qu'on y aille ensemble. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu as ce message. On a beaucoup de choses à se dire. Et même si je suis toujours en colère contre toi, je veux juste que tu saches que... tu me manques et... je t'aime. S'il te plaît, reviens à la maison. S'il te plaît. Je viens juste de recevoir un mail qui dit qu'on a gagné le meilleur prix de l'agence immobilière de l'année. L'événement, c'est la semaine prochaine et je pense que ce sera bien pour nous qu'on y aille ensemble. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu as ce message. Et même si je suis toujours en colère contre toi, je veux juste que tu saches que... tu me manques et...
Mon amour, s'il te plaît, réveille-toi. Tu dois te réveiller. Je ne peux pas continuer ainsi. S'il te plaît, tu dois te réveiller. S'il te plaît, tu dois te réveiller. Réveille-toi, réveille-toi. C'est vraiment bon. Merci, madame. Alors, à quelle heure arrive vos invités? Il devrait être là d'ici une heure de temps. Charity, va avec ça à la cuisine, d'accord? D'accord, ma. Désolée. Tout va bien. Alors, dis-moi, quel est ton plan d'action? Par ailleurs, quel est le nom de ton commerce? Je n'ai pas encore de nom. Oh, tu devrais. Et une fois encore, mon nom est Tamara. D'accord, madame. Oh, Tamara. Dis-moi, comment vois-tu ton service de restauration dans les 5 prochaines années? Madame, je n'ai pas encore réfléchi si loin. Et deuxièmement, vous êtes ma première vraie cliente. Donc, je suppose que tu n'as pas de plan d'action. Désolée. Qu'est-ce que c'est? D'accord, on devra donc changer ça. Mais cela veut dire qu'on a du pain sur la planche. Donc? Désolée, je ne comprends pas. Je vais t'aider à faire décoller ton commerce. Mais ça sera trop vous demander. Non, ce n'est rien. En fait, tu sais... Je n'aime pas voir les gens cacher leur potentiel. Tu sais, tu peux demander à mon mari. Et... Tamara, tout va bien? Oui, tout va bien. Alors, ton commerce. Je pense... Tamara, tu en fais déjà assez et je ne veux pas en jeter. N'importe quoi. On va commencer par trouver un nom à ton commerce, puis dès qu'on a un nom, on va l'enregistrer. Merci. Parfait.
hard for me. I'm caught between the lines. JJ, ferme tes yeux avant de les ouvrir, je serai là. C'est parce que tu ne les as pas bien fermés. D'accord, j'arrive. Quel enfant capricieux. Sa mère lui manque, tu ne peux pas le blâmer pour ça. Quel âge a-t-il? 6 ans. J'ai appris qu'à cet âge, il pose beaucoup de questions. Oui, tu peux rien dire à Didier sans qu'il ne te dise « Maman, pourquoi? Maman, pourquoi? » Ça doit être dur pour toi et pour ton époux. Je ne suis pas mariée. Oh, je suis désolée. Ça va. Mais j'espère qu'il prend bien soin de vous. Oui, c'est un peu incroyable. Ça, c'est bien. Tu peux un endroit spécial? Oui, je vais à un événement ce soir. J'ai remporté le prix de la meilleure agence immobilière de l'année. Oh, waouh, c'est merveilleux. Vraiment? Oh, oui, vous êtes une femme si brillante. Ouais, malgré toutes mes brillantes acquisitions et ma réussite, je ne suis toujours pas assez bien pour mon époux. Mais il est certainement quelque part, sûrement avec une prostituée. Oh, je suis désolée de parler ainsi. Non, tout va bien. Je suis sûre qu'il a sûrement eu un empêchement. Raison pour laquelle il n'est pas là avec toi. Il n'a pas été empêché par quoi que ce soit, ma chère. Notre mariage est terminé. C'est sûrement terminé depuis un bon moment. Je suis sûre qu'il t'aime. Pas assez pour m'être fidèle. Tu sais, je ne sais même pas pourquoi je me plains. Je suis celle qui lui a demandé de partir, de ne plus jamais revenir. Mais je n'ai juste pas pensé qu'il me prendrait au sérieux. Ne soyez pas inquiète, il va finir par revenir. Malgré que je le déteste en ce moment, j'aimerais que ça se réalise. Ça se fera. Merci, Bimbo. Je m'arrête ici. Oh, d'accord. 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 Tamara, es-tu sûre que tout ira bien? Allons, je suis une grande fille. J'irai parfaitement bien. Fais un coucou à ton fils et à son père. Je le fais. D'accord. Sois prudente. Je dois aller me changer pour l'événement. Je suis en retard. Et avant, d'accord. Merci beaucoup. Pas de quoi. Bonjour, Madame Obutia. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, docteur. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles pour moi. Docteur, le gardez-si me coûte la peau des fesses. Je comprends que c'est un moment difficile pour vous. Je vous assure que je comprends cela. Je comprends. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour changer cette situation. Je comprends aussi que c'est normal d'espérer le meilleur dans ce genre de situation, mais je pense qu'il faudrait mieux se préparer si les choses tournent mal, vous savez? Comment? Je veux dire qu'il peut rester ainsi pour un bon bout. Et il y aura aussi la possibilité que... Que quoi? Qu'il rende l'âme. Que Dieu m'en préserve.
Je ne peux pas l'accepter, que Dieu m'en préserve. Impossible, que Dieu m'en préserve. Docteur, ne dites plus ça, s'il vous plaît. Que Dieu m'en préserve. Calmez-vous, ok? Que Dieu m'en préserve. Donnez-moi une seconde. Non, il ira bien. Il ira bien. Il ira bien. Rien ne va lui arriver. Docteur. Oui? Avez-vous vu ça? Quoi donc? C'est moi. S'il vous plaît, excusez-moi. Pardon, faites de la place. Infirmière? Oui, docteur. Je veux que vous alliez rapidement à la pharmacie. D'accord. Et apportez-moi ces médicaments. Ok, docteur. C'est d'accord? D'accord. Alors, docteur, avez-vous vu ce qui s'est produit? Oui, mais il peut y avoir des mouvements partiels pendant le coma. C'est tout à fait normal. Mais c'est une bonne chose. Ce qui veut dire qu'il est en voie de guérison. Espérons que ce soit le cas. Mais je suggère que nous restions à l'écoute et en observation. D'accord. D'accord. S'il vous plaît, excusez-moi. Tu iras bien. Ça va aller. Je suis vraiment désolée. Ah, j'ai cru qu'on t'avait kidnappé. C'est que j'ai pensé ça. Je vais bien, ma Et chère. Et que s'est-il passé? Les embouteillages, c'était très difficile. C'est complet. Hé, hey, s'il te plaît, laisse-moi d'abord prendre pour moi, avant que mes patrons ne viennent pour finir. Tamara était là? Je ne l'ai pas vue depuis un moment. Madame Tamara n'est pas venue au bureau depuis 2 semaines maintenant. Ah. Que s'est-il passé? Ah, elle a dit qu'elle ne se sentait pas très bien. A-t-elle dit quel était le problème? Non, elle n'a rien dit. Je ne sais pas. Ma, tu veux que je t'apporte quelque chose? Ok. Bonjour, Tamara. Quelqu'un m'a dit que ça fait une semaine que tu n'as pas été au bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. Tamara, quel est le problème? Rien, je vais bien. Non, tu ne l'es pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais pouvoir revenir sur mes mots. Peut-être les choses auraient été différentes. Je veux dire, on se chamaille tout le temps, mais cette fois est la plus longue période qu'on ait fait sans se parler. Mon mari ne répond même pas à mes emails, à mes appels. C'est comme s'il a mis sa vie avec moi derrière lui. Tamara. Il a peut-être besoin de s'évader un peu. Il traverse sûrement des moments difficiles. Loin de moi? Tamara, peu importe ce qu'il traverse en ce moment, ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute. Comment le sauras-tu? Parce que je sais que tu es une femme formidable. Et pourquoi me quittent-ils tous? Tous? Oui. Ça, c'est mon deuxième mariage. Une façon plutôt drôle, celui-ci se termine de la même manière que le premier. Je ne sais pas, mais quelque chose ne tourne pas rond chez moi. Il n'y a absolument rien chez toi. Rien. Et pourquoi me quittent-ils tous? Comme je l'ai dit, t'es une femme formidable. Juste qu'il y a des hommes qui abandonnent de l'or pour se mettre à la poursuite du charbon. Tamara, t'es belle. Tu as du succès. Tu as tout ce dont n'importe quel homme rêve. Merci. Non. Toi, merci pour tout.
Écoute, tu devrais me payer pour tout ce travail. Ah, toi aussi. Ne peux-tu pas aider quelqu'un sans réclamer de l'argent? De l'aide? Tu ferais mieux de te trouver une assistante. Et s'il te plaît, laisse-moi. Le président te rend-il visite? Non. Un ami. Un ami? Sans nom. Ou? Alors, tu t'es trouvé un nouveau mec? Es-tu folle? Hein? Non, es-tu folle? Pourquoi dis-tu ce genre de choses? Pourquoi? Pourquoi es-tu si sérieuse? Je blaguais juste avec toi. Ne blague plus ainsi avec moi. Oh. Je suis désolée. C'est mieux. Mais sérieusement, qui est sur le point d'arriver? Ah. Allô? Tamara. Ok, où es-tu présentement? D'accord, continue tout droit. Après la station service, prends la prochaine rue à ta droite. Oui, numéro 5. D'accord, à bientôt. De quelle Tamara s'agit-il? La Tamara de Jerry. Hein? Quoi? Que vient-elle faire chez toi? Chérie, écoute. Avec Jerry à l'hôpital, elles se sont seules. Donc, maintenant tu es Mère Teresa? Tu vois? Voilà pourquoi je ne voulais rien te dire. Tu vois? Désolée. Chérie, sérieusement, cette femme a vraiment beaucoup fait pour moi. J'essaie juste de, tu sais, de lui rendre l'appareil. Écoute, la seule raison pour laquelle tu as encore ta bouche pour bien t'exprimer, c'est parce qu'elle ne sait pas que tu as eu un enfant avec son mari. Sinon, Mais à toi ici, je t'ai dit, va là-bas et dis-lui ce qui s'est passé. Mais tu es allée faire les meilleures copines du monde avec elle. Quel est ton problème? Arrête ça. J'essaie juste de la soutenir. Oh, soutiens-la. Continue. Pourquoi est-ce que je te parle d'abord? Moi non plus, je sais pas. Je dois avouer que tu as une maison magnifique. Merci. Alors, comment vont les affaires? Les affaires marchent bien, on ne se plaint pas. Ah, ça c'est bien. Tina t'a-t-elle appelée? Non. Ah, d'accord. En fait, Tina c'est une amie. Et elle a une fête. Elle voulait un service traiteur, alors je lui ai passé ton numéro. Merci infiniment. Oh, ce n'est rien. Pas seulement pour ça, mais pour tout. Oh, tu as été là pour moi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi dans ces moments difficiles. Tu as été d'un grand soutien. Merci. Oh, JJ. Bien possible, bienvenue. Fais un coucou à la tante. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, il te ressemble. Pourquoi fais-tu cette mine? J'ai eu un cerveau à mon devoir. Ouh. Oh. Mais c'est parce que tu ne lis pas. Mais c'est toi qui as fait ce devoir. Es-tu sûre? Oui, regarde. Pourquoi est-ce que je me donne même toute cette peine? De toutes les façons, je pense que je dois déjà partir. Aussi vite? Oui. Et Didier, je te promets que la prochaine fois, je t'aiderai à faire tes devoirs de maths, d'accord? Non, je ne veux pas avoir zéro. Non, je te promets sur mon honneur, tu n'auras pas zéro. Fais-moi confiance. Merveilleux. Ouais. Tiens, achète-lui quelques friandises, s'il te plaît. Tamara, s'il te plaît. Ah, ne laisse pas maman en suspension. Tiens, en voici plus. Hey. Merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. Dis merci à tantine. Merci. D'accord, alors je vous laisse. D'accord, j'ai vraiment apprécié ta visite. C'est rien.
Regarde l'heure. Chérie, s'il te plaît, jette un coup d'œil sur Gigi. Peux-tu m'aider à continuer? Merci. Bon, maintenant, arrête de pleurer, s'il te plaît. Que vais-je dire à Gigi? Comment je vais dire à Gigi que son père est mort? Comment? Une chose à la fois. Je suis sûre que le moment venu, tu sauras comment le lui dire. Mais pour le moment, rassemble tes forces pour lui, s'il te plaît. Et dis-toi qu'il est là-haut. Je suis là. Ça va aller. Ok. Merci. Madame, puis-je vous appeler un taxi? Non. Je veux que vous le ramenez, pouvez-vous le faire? Non, désolé. Je suis désolé. D'accord? Soyez pas désolé, c'est mon bouger. J'ai cru qu'il y avait une chance. Je vous ai dit que rien n'était certain, n'est-ce pas? Je suis désolé pour la perte. Ne soyez pas désolé. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui arrive à cette dame? Qui? La dame en jaune qui allait de ce côté. Oh, oui, elle a perdu son époux. Waouh, on a perdu un patient aujourd'hui? Oui, dans la chambre 7. De quel patient s'agit-il? Son nom était Jerry Okocha. Est-ce que tu as dit Jerry Okocha? Oui, connaissez-vous le patient? Où est son dossier? Le voici. Non. Hey, quel est le souci? Non. Hein? Qu'as-tu dit que cette fille était pour lui? Sa femme. Quel est le souci? Oh. Donne-moi une minute. Je reviens. C'est juste que... Quoi? Que se passe-t-il? Il est mort. Qui est mort? Le père de Gigi. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ça va aller. Comment je vais l'annoncer à Gigi? Comment? Ça va aller. Ça va, calme-toi s'il te plaît, ça va aller. Je suis vraiment désolée, viens.
Viens, allez, viens avec moi. Oh mon Dieu. Bimbo, je suis vraiment désolée. Allez, viens, viens. Allons-y, allons en haut. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée. Très bien. Oui? Mam, Auntie Shelley est là. Elle dit qu'elle veut te voir et que c'est très important. Vraiment? Oui, ma. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas, ma. D'accord. Pose ça là. Ok. Madame Charity, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de te parler de quelque chose. Quoi? Quelqu'un est mort? Assieds-toi, assieds-toi d'abord. Pourquoi agis-tu de la sorte? Depuis combien de temps as-tu dit que ton mari a voyagé? Ça fait environ 6 semaines. Pourquoi? Et tu n'as pas eu de ces nouvelles depuis? Tu sais comment fonctionnent les choses entre Thierry et moi. On ne s'est pas parlé, mais il a envoyé quelques messages. Mais je suppose qu'il va bien. Pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Tamara, c'est à propos de Thierry. Tu l'as vu avec une autre fille, n'est-ce pas? Et croire que je passe des nuits blanches à cause de cet idiot. Tamara. Thierry est mort. Tu es folle, hein? J'ai cru t'avoir entendu dire que Thierry est mort. Qu'est-ce que tu as dit? Thierry est mort. Es-tu sûre de cela? C'est, je suis sûre. C'est sa femme. Cette fille doit être un imposteur ou autre chose. Je ne pense pas que je puisse faire ça. Tamara, je sais que c'est dur, mais tu dois le faire. Tamara. Si j'ouvre cette couverture et que c'est lui qui l'a allongée, ça voudrait dire que c'est réel. Et je ne suis pas sûre que je pourrais faire face à cette réalité. Tamara, tu es une femme forte. En fait, la femme la plus forte que je connaisse. Fais-le, s'il te plaît. Calme-toi, calme-toi. Ça va aller. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Comment tu te sens? Ramène-moi à la maison. Écoute, je sais que tu traverses l'un des moments les plus difficiles de ta vie. Mais ma chérie, tu dois être forte. Parce que Thierry n'est plus.
est-elle? Tamara, calme-toi, s'il te plaît. Oh, je suis loin d'être contrariée. Je veux juste savoir qui est cette idiote pour que je puisse y dire le fond de ma pensée. Calme-toi, s'il te plaît. Je suis calme. Je suis calme. Je suis calme. Tamara. Salut, comment vas-tu? Salut. Salut. Tamara. Oui? Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Quel est le problème? Tu pleures? Cette tenue. Cette tenue. Oh mon Dieu, tu es cette femme! Tamara, c'est cette femme! Souviens-toi de cette personne qui était venue demander ton mari à l'hôpital. Tu te souviens? C'est cette fille. C'est elle qui est venue à l'hôpital, je me souviens. Oh mon Dieu, Tamara! Bimbo? Oui, c'est toi, je reconnais cette tenue. N'est-ce pas toi qui m'as bousculée aujourd'hui à l'hôpital? Oh mon Dieu! Bimbo? Ah, c'est exactement ce que je voulais te dire. Je suis désolée. C'est pour cela que j'ai... Mon Dieu. Je voulais... Bimbo, je jure. Tu es la maîtresse de Jerry? Donc c'est... Je jure. J'allais te le dire. Oh mon Dieu. Je suis désolée. Donc tu savais que Jerry était à l'hôpital pendant tout ce temps et tu n'as rien dit? Hey, hey. Non. Calme-toi. Calme-toi. Oh, ce n'est pas ainsi. Oh mon Dieu. Je voulais te dire. Je jure. Ce n'est pas ce que Gigi. Tu penses. Je suis DJ. Donc DJ est le fils de Jerry? Et je suppose que DJ veut dire Jerry Junior, n'est-ce pas? Je suis désolée. J'allais te le dire. Oh mon Dieu. Démon! Calme-toi. Calme-toi. Je suis démoniaque. Démoniaque. Calme-toi. Lâche-moi. Tamara. Je suis démon. Chérie, tu dois vraiment arrêter de pleurer. Je t'en prie. S'il te plaît. Maman, pourquoi pleures-tu? Tu pleures tellement, maman.
À mon bureau, maintenant. Elle a annulé notre contrat? Non, d'accord, tout va bien. Et vous devrez également signer au bas de ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ensemble des documents liés à ses funérailles. Il avait pris le soin de tout préparer déjà au cas où quelque chose lui arriverait. Je vois. Et la lecture de son testament se tiendra ce jeudi. Fais ce que tu as à faire, Kenneth. Que fais-tu ici? En quoi pouvons-nous t'aider? Hey, je m'adresse à toi. En quoi pouvons-nous t'aider? Jerry a demandé qu'il soit là pendant la lecture. Wow. Merci. Bonjour à tous. Je suis Kenneth Djadja. Je suis le notaire du feu Jerry Obutia. Je suis là pour la lecture de ses dernières volontés, son testament. À mon cousin Festo Okoro, je laisse l'étang de poisson qui est à Enugu. À Tamara, ma femme, je te lègue toutes mes propriétés de Lagos, Abuja et Port Harcourt. Je te lègue tous les véhicules à mon nom. Je te lègue également 80% des actions de ma compagnie. Et enfin, je te lègue mon appartement à New York. Je suis désolé pour toutes les peines que je t'ai causées pendant notre vie ensemble. Je veux que tu saches que toute ma réussite, c'est à toi que je la dois. Et à Bimbo Adeboy, mon cœur, mon rayon de soleil, mon amour. Tu es l'une des plus belles choses qui me soient arrivées pendant mon voyage sur Terre. Je vous aime, Gigi et toi, profondément. Gigi, prends soin de ta maman pour moi. Il ne manque jamais une occasion de lui rappeler à quel point je l'aime. Bimbo et Gigi se verront verser une pension alimentaire d'1 million par mois chacun, provenant du compte de la firme. J'ai un compte ouvert au nom de Gigi avec un montant de 100 millions de dollars. Il pourra en disposer quand il aura 18 ans. Et enfin, je te lègue mon domicile actuel à toi, Bimbo. Je veux que toi et Gigi y viviez, au lieu de rester dans ce petit appartement qui est le vôtre. Voilà sa volonté. Hein? Merci beaucoup. Ah. Calme-toi. Excuse-moi, puis-je te voir un instant? Je fonçais, Jerry. Qu'est-ce que je lui ai fait exactement? Mais tu as toutes les autres maisons et propriétés. Jerry savait que cette maison comptait énormément pour moi. C'était notre maison. Nous étions censés former notre famille ici et maintenant il la lui lègue. Tamara, tu sais que je n'ai pas mon mot dans ceci. J'étais l'avocat de Jerry et sur ce, je ne fais que sa dernière volonté.
Mais tu es mon ami avant tout, tu te rappelles? Oui, je le suis. Non, non, tu ne te rappelles pas. Tu sais, je réalise juste que les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent. Tamara! Tu savais que Jerry avait une maîtresse et un enfant, et là, tu n'as rien dit. J'étais sous serment. Le secret du client, et tu le sais. Écoute, je sais que ceci doit être difficile pour toi. Tu ne sais rien, Kenneth. Je ne vais pas quitter ma maison pour cette pute et son enfant. C'est l'enfant de Jerry. Bien, je ne quitterai pas cette maison. À toi de la faire savoir, d'accord? Jerry m'a pris beaucoup quand il était en vie. Et il ne va sûrement pas en prendre davantage pendant qu'il est dans sa tombe. Ça va aller. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je t'ai causé beaucoup de douleur. Je sais que je vais vivre avec cette culpabilité pour le reste de mes jours. Mais je voudrais que tu comprennes à quel point je suis désolée. Ces dernières semaines, j'ai pu réaliser quelle bonne personne tu es. Et cela me tue de savoir que j'ai détruit ta confiance. Tu n'as pas seulement brisé ma confiance. Tu m'as brisé. J'ai toujours vécu comme l'autre femme dans mon mariage à cause de toi. Jerry t'aime. Ne sois pas condescendante. Mon nom est peut-être sur cet acte de mariage. Mais on sait avec qui il voulait être. S'il te plaît, je suis désolée. Tu es désolée maintenant? Tu es désolée parce que tu as gagné ma maison, non, c'est ça? Non, je me fiche de la maison. Tout ce que je demande, c'est ton pardon, s'il te plaît. Tu n'obtiendras jamais mon pardon. Je veux que tu t'endormes chaque nuit avec cette culpabilité. Je veux que tu souffres. Je veux que cette culpabilité te hante jusqu'à ce qu'elle te tue. Je veux que tu t'en ailles. Va-t'en. Je suis désolée. Je suis désolée. Calme-toi, ça va aller. Je vais lui parler. Tamara! Salut. Comment tu vas aujourd'hui? Je suis désolée pour hier. Non, c'est pas grave. Je te comprends parfaitement. En tout cas, je suis venue te dire que je dois rentrer à la maison pour me préparer pour le travail demain. Oui, je comprends. Tu as été mon roc. Merci. Avant que je ne parte, il faut que je te dise que tu dois faire quelque chose. Tu dois pardonner. Je ne vais pas lui pardonner. Calme-toi, je n'ai même pas terminé. J'essaye de dire que tu dois te pardonner à toi-même. Tu comprends? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ma chérie, tu dois commencer par te pardonner. Ensuite, il faudra que tu pardonnes à Thierry, que tu pardonnes à Bimbo et... Je ne peux pas. Je ne suis pas aussi mature. Oh, si tu es mature, ne fais pas ça.
N'essaye même pas. Le pardon, c'est pas seulement pour eux, mais pour toi-même. Tamara. Voici les clés de la maison. Je ne le fais pas. Il ne s'agit pas de ce que toi et moi on veut. C'est ce que Jerry voulait pour JJ. Et toi alors? Je ne peux pas vivre ici. J'ai besoin de recommencer à zéro. Et je ne peux pas le faire ici. J'aurais aimé qu'on se soit rencontrés dans d'autres circonstances. J'aurais aimé aussi. Pourrais-tu un jour me pardonner? Aussi dur que ça puisse être, je te pardonne. Merci. Je ne t'oublierai jamais. Non. Merci à toi. À cause de toi, je sais que je mérite beaucoup mieux. Je suis vraiment désolée. Je te souhaite le meilleur. Change me now, that is who I am.
hard for me. I'm caught between the